avec le soleil et même avec des conditions météo qui n'ont pas toujours été extraordinaires. Si tu n'as pas un souci de faire 300 km par jour, 650 ça te suffit, avec ces bagages, tu pars avec un engin comme le mien et tu pédales pas. C'est le pied quand même. Super! Si Bernard a été le plus rapide en 25 jours, moins de 48 heures plus tard, Raph arrive à son tour, les deux hommes étant reçus par le plus grand journal sportif d'Italie, la Gazzetta dello Sport.